La hiérarchie militaire ignore-t-elle que les forces de sécurité et assimilées sont encore républicaines dans notre pays? Hier, c'était le camarade Akiyé Clément, secrétaire général du Sinapolis, victime d'une mise aux arrêts de rigueur de façon tout à fait rocambolesque dans une procédure ubiesque dénoncée par l'ensemble des organisations syndicales. Aujourd'hui, c'est sur le capitaine Entrepo Patrice, secrétaire général par intérim du syndicat national des eaux et forêts, que s'abat l'arbitraire que l'on érige progressivement en norme dans la gouvernance actuelle de notre pays. Les confédérations et centrales syndicales signataires de la présente déclaration, au regard de ce qui précède, attirent l'attention de l'opinion publique sur les évidences suivantes. Les mesures de mise aux arrêts infligées aux camarades secrétaires généraux du Sinapolis et du Sina E Forêt et Chasse sont illégales, arbitraires, abusives et indignes dans un état de droit. Les restrictions d'acquis démocratiques tendent à se multiplier dans notre pays depuis l'avènement du régime de la rupture. D'un côté, des interdictions de marche pacifique et d'associations estudiantines. De l'autre, des arrestations injustifiées de leaders syndicalistes agissant dans le cadre de leur mandat syndical. Les organisations syndicales signataires de la présente déclaration exigent la libération pure et simple des candidats secrétaires généraux du Sinapolis et du SINAEF. C'est eau, forêt et chasse. Elles rendent responsables le gouvernement et les autres de ces abus, des conséquences qu'engendrerait leur silence.